Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Mercredi à la Belle, ne manquez pas Catherine Ringer qui chantelait Rita Mitsuko. À l'occasion du 40e anniversaire de la création des Rita, Catherine reprend les plus grands titres de ce duo rock français fondé en 1979. Au menu, l'hymne latino-rock Marcia, le petit train ou Andy. À l'Hexagone de Mélan, retrouvez le trio de La Forge avec et autres chants d'oiseaux mercredi. Ce projet s'inspire de chants d'oiseaux de toute nature, mais aussi d'œuvres de compositeurs inspirés par les oiseaux, comme Stravinsky, Mozart ou Debussy. Au programme 6 musiciens, compositeurs et improvisateurs, le trio de La Forge et 3 musiciens invités. L'exposition événement Picasso au cœur des ténèbres est à voir jusqu'au 5 janvier au musée de Grenoble. Elle s'intéresse à une période moins connue de Picasso, entre 1939 et 1945, plongée au cœur des années de l'occupation. Cette exposition ici à Grenoble, c'est d'abord la première exposition Picasso au musée de Grenoble. Donc, ce qui paraît assez incroyable puisque le musée de Grenoble précisément a été le premier musée en France à conserver une œuvre de Picasso, et cela depuis 1921, grâce à la générosité de l'artiste d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'est une période très particulière, peut-être moins connue, moins prisée parfois aussi des amateurs que cette période de la Deuxième Guerre mondiale, mais une période tout à fait passionnante parce qu'une période charnière. On termine, je dirais, la relation avec le surréalisme que Picasso avait dans les années 30, et on rentre dans quelque chose qui est peut-être plus sombre, mais en même temps peut-être plus essentiel aussi, sur la question de la peinture, sur le rôle de la peinture face à ce qui peut se passer dans le monde, et en l'occurrence là, la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation, la tragédie effectivement qui se développe dans cette période, et que Picasso va traduire à travers sa peinture sans jamais la représenter. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.